Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GeoGuessr. Alors je les enchaîne un peu les vidéos maintenant parce que comme j'étais pas disponible pendant quelques temps, j'ai raté pas mal de vidéos de challenge. Et donc c'est parti, là on va refaire celui qui apparaît toutes les semaines. Donc j'en ai deux en retard, je vais faire celui-là et je vais faire celui de la semaine d'arrière, de suivante quoi. Donc pour rappel, ça reste des défis en 2 minutes. Donc c'est la particularité de ce défi-là. What the fuck, c'est quoi ça? Ah, c'est des liens rétro, c'est des challenges custom. Ouais. Ok, 20 000, 20 000, bon. On va voir ce que ça donne. Y'a que qu'on joue? C'est quelqu'un qui sont en vacances aussi avant. Donc c'est parti, 2 minutes mondiale, et on va voir ce que ça donne. Alors ici, on commence sur une route. Ah, c'est une barrière, je voyais un truc noir, je sais pas ce que c'était. Des panneaux carrés. Zone de... Ouais, c'est un truc espagnol, je m'en doutais bien. Est-ce que c'est le Mexique? Kilomètre 103 et pas de numéro, dommage. Je vais essayer d'aller voir par là vite fait s'il y a pas des trucs. Ouais, kilomètre 64. Peut-être que j'allais de l'autre côté, je pense. Un grand pont. Attendez, est-ce que là il n'y a pas un... Ah, si. Mexico, ok, route Mexico 1. Voilà, une quoi? Ouais, bah c'est ça. Donc, Mexico 1. Alors, je sais pas si cette route est super longue parce que c'est la numéro 1. Je la trouve déjà. Je crois qu'elle est là, la une, ouais, c'est ça. Comment on va faire pour trouver où est-ce qu'on est exactement? Il me faudrait un panneau avec des villes pour me repérer un petit peu. Puente El Rosario. Je sais pas si on peut trouver ça. Je sais pas c'est quoi des Puente. Des points, je pense, mais là pour le coup, ça va super bas. Je sais pas, faut que je trouve vraiment un panneau avec des villes et des distances, ça serait idéal. 66 km, c'est le début, hein, parce que c'est super long quand même. Je me dirais que ce serait plutôt vers le nord. Punta El Rosario. Et là, ce serait le grand pont. Je pense que c'est ça. À mon avis, on avait commencé par là. Par rapport au nord, la route fait ça et après... Ouais, ça correspond à ça, je pense. Ah, il y a un virage par là-bas. Non, il n'y a pas de virage. Bon, on va rester par ici. Je pense que ça doit être par là. Eh, presque. Bon, c'était un petit peu plus près du village, du virage ici. J'ai pas trop le temps de regarder, mais bon, moi c'était ça. J'ai vu El Rosario ici. Et puis après j'ai vu la grande ligne droite avec la pseudo rivière, parce que je voyais pas vraiment de rivière, c'était surtout de la végétation. Et vu que ça commençait, on était qu'à 60 km sur les compteurs, je pense que ça commençait vers le nord. Et on était vraiment loin du sud parce que ça fait plusieurs centaines de kilomètres ce truc-là. La Basse Californie. Ok, donc ça c'est bien. On commence avec juste un petit point de retard, c'est pas trop grave. Ça sert d'être le Canada. Donc on va voir ça vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bienvenue, ouais, c'est canadien. Ouais, j'arrive pas à lire exactement. Là-bas, il y a un panneau, vite fait. C'est quoi ce truc? C'est une maison, une grange. Et là, je regarde un petit peu tout ce que c'est. Brunswick. Alors, le Brunswick, par ici. Alors, il y a le nouveau Brunswick, mais je sais pas si c'est... New Brunswick, ouais, c'est ça. New, nouveau Brunswick. Alors, maintenant, faut trouver le numéro de la route. Ouais, non, on va passer de l'autre côté parce que j'ai vu que l'autre côté du pont il y avait un sort de feu rouge là. Il n'y a rien du tout en fit. Alors là, il y a un truc. Charrette de route. Route partagée. Bon, j'imagine que c'est une question de partager la route avec les villas, les vélos, etc. Donc on s'en fout un peu. Moi, je vais voir. Ok, non, route 100. Je savais pas qu'il y avait des panneaux comme ça. Avec la forme de l'État. Donc route 100, il n'y a plus qu'à trouver ça. Alors je sais pas du tout que ça va jusqu'à là. Trouver ça vite fait. 100, elle est là. Oh, elle est vachement grande. Elle est vachement grande. Faut vraiment que je trouve des panneaux de ville là. Stock Farm Rose, on s'en fiche. Ouais, non, il n'y a rien. Ah, c'est ça que je cherche. Alors, va la route 1 et route 1. Palmer et Kiss Pam 6. La route 100, ah oui, la route 1 elle est là. Je pense, hein.
Ah mais merde, elles se suivent. Qui me passait celle-là? Et Palmer, je crois l'avoir vu. C'est où Palmer? Ok. On va se dire qu'on est par là. On était... Ah oui, il y avait un pont au début, j'aurais dû me repérer par rapport à ça. C'est dommage, j'aurais pu trouver parce que si j'avais vu qu'il y avait le pont ici, effectivement. Je cherchais comme un con Palmer machin et ça on s'en fout un peu, je pense. D'ailleurs, je le vois même pas où c'est. Hein. Bon, c'est pas grave. On a perdu un petit peu de points, mais on reste quand même avec des bons scores. On va voir ce que ça donne pour la suite. Ok, ça je le sens. Ça je le sens pas du tout ça. Vu comme ça, je dirais Kirghizistan. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je pense que c'est une route au Kirghizistan. On va essayer de voir les. Mais y a rien du tout. Est-ce que c'est vraiment au Kirghizistan? Faut confirmer, hein, mais je sais pas. Quoique c'est une route qui est assez récente, on dirait. Enfin, il y a pas mal d'équipements. Tunnel a l'air assez neuf. On va le passer vite fait. Parce qu'il n'y a jamais rien d'intéressant dans les tunnels en général. Allez, avance. Ok. Ici, un tunnel, un pont. Il n'y a que des tunnels, mais je pense qu'au Kirghizistan, il y a une route qui est comme ça. Avec pas mal de. Ah, mais c'est pas du cyrillique. Donc ça correspond pas du tout à ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que cette langue? Reclus. Pas du tout ce que c'est. J'ai pas l'impression que c'est la Turquie. Ils ont flouté le bout du tunnel ou quoi? Oh la vache. Non, c'est pas, y a pas du russe, non, c'est pas le Kirghizistan. Je vais tâter la Turquie pour l'instant, mais ça me paraît vraiment bizarre. Parce qu'il y a Turquie, il n'y a pas vraiment de grandes rivières comme ça, avec une route qui suit. Bizarre, vraiment bizarre. Où est-ce que ça pourrait être du coup? Pas vraiment une rivière, c'est un lac. Je pense que ça doit être un lac de barrage. Il y en a pas mal en Turquie, maintenant il y en a aussi pas mal dans d'autres pays. Ouais, ça va être vraiment au pif. Hein. Là, c'est un tunnel qui a l'air super long, je pense pas le traverser avant la fin du temps. Non. C'était bien en Turquie du coup. Alors, c'était où? C'était. Ah non, c'était une rivière en fait. J'étais passé par là. Ouais, alors là il y avait un lac. Je pense qu'il doit y avoir quand même des barrages dans le coin. Bon, c'est le bon pays, c'était pas exactement le bon endroit dans le pays, donc du coup j'ai perdu plus de 1000 points, c'est dommage. L'autre il a encore réussi à trouver, je sais pas qui c'est. Oh! Alors ça par contre, bon ça on sait tout de suite que c'est l'Australie, hein, pas de soucis, mais par contre, alors là... Alors j'hésite, soit je vais là-bas, et je suis l'endroit où la voiture vient, soit je pars ici, je suis la route qui a un revêtement en enrobé. Ah, ça va être chaud à trouver quelque chose, hein. Là il y a des trucs. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un méga panneau avec plein de trucs. J'arrive pas à les lire de toute façon. Si ça redevient de la terre, je repars dans l'autre sens. Pour l'instant, ça a l'air d'être. Ah, ça devient une route un peu plus noire. Est-ce qu'on s'approcherait peut-être d'une grande route? Non, on s'approche d'animaux. Je sais pas ce que c'était. Alors, une route en plein milieu de l'Australie. Super. Comment on va trouver ça? Parce que ça, c'est le genre de route où on peut se retrouver bloqué au milieu de nulle part parce que Street View sera coupé. Il n'y a vraiment rien. C'est juste l'outback et rien d'autre. Il y a quand même des panneaux. C'est pas non plus une route hyper perdue. Voilà, c'est ce que je craignais. On retrouve la route un petit peu. Oh, peut-être qu'on peut lire ce truc-là. Voyons voir si on arrive à lire quelque. Ouais, non, en fait, non, pas du tout. Tourist drive, turn left. Sauf qu'on tournera pas à gauche, nous. Illisible comme prévu. Là, par contre, il y a d'avoir des trucs. Franchement, c'est illisible. Non, mais c'est peine perdue dans ce genre de truc, je pense. Là, c'est le même peu de l'autre sens, on s'en fiche. C'est peine perdue, à mon avis on trouvera rien du tout je pense. Hein. Juste pour rigoler, j'irai voir vite fait la Street View, mais faut que je pense à mettre une réponse.
Allez, on va tenter cette route-là parce que je sais qu'elle est perdue en général. Ah, c'était pas celle-là. C'était celle-ci. Ça, mais clairement impossible à trouver. Le pire, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver, mais ils arrivent quand même à rester juste à côté, quoi. Ça, le plus hallucinant, quoi. Est-ce qu'on pouvait arriver à un endroit? Ah, c'était possible, hein. La couverture est continue jusqu'au bout. Côté couverture Street View. Mais pour trouver ça, laisse tomber, quoi. Je sais pas comment il a fait pour trouver ça. Ok, suivant. Je dirais européen. Quoi ça? Truc en anglais, warehouse et un entrepôt. Sûrement l'Angleterre ou l'Irlande. C'est le genre de truc bien, qu'est-ce que vous avez trouvé aussi? Parce que c'est plein de petits chemins par-ci par-là. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça là? Il y a plein de trucs. Ok, limite de points, on s'en fiche. Oh, ouh la vache, qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Je sais pas, il y avait des trucs avec des entrepôts. Ah, peut-être que là. Ok, c'est l'Angleterre. B5102. Alors, par contre, pour trouver cette route-là, c'est mort de chez mort. Je sais qu'il y a des routes en B par là, là. Non, même pas, c'est des A ici. Ah, il y a des B. Vous voyez, les routes en B, c'est des petites routes comme ça. Donc, pour trouver ça. Alors, Wellington. On est vraiment. Ouais, on est hémisphère nord. Parce que Wellington, c'est une ville en Nouvelle-Zélande. Donc, on fait gaffe aussi à ça. Mais là, je pense que c'est vraiment les. Ça peut être aussi ça, mais bon. Newport. J'ai l'impression que c'est des grandes villes, ça. Wellington. Newport, c'est forcément près de l'eau. Shawbury, Shrewsbury. Il y a un Bury ici. Il faudrait que je trouve Wellington ou Newport. Ouais, je vais rester par là, je pense. Et là, il y a quoi ici? Ouais, bon bah tant pis, on va rester par ici, entre les deux, au milieu du Royaume-Uni en gros. C'était bien plus au sud. Shrewsbury, c'était visible en fait. Hein. Newport, c'est où ça? Newport, c'est là. Et Wellington. Je sais pas. Bref, Osef. Du coup, ouais, Shrewsbury, ça se voyait, c'est dommage. C'était possible de retrouver, alors, de retrouver exactement l'endroit exact, je pense pas. Franchement, je sais pas comment il fait. Mais sinon, ça aurait été possible de gagner plus de points. C'était une été, hein, punaise. Hein. Il est vraiment très bon celui-là. Bon, je reste quand même troisième avec 20 000 points, 20 678. En 2 minutes, ça reste quand même très correct. Quand je suis en dessous de 20 000 points, en général, surtout quand c'est 2 minutes, ça me convient parce que c'est vraiment difficile de trouver exactement les endroits précis en 2 minutes. C'est vrai que c'est assez chaud. Là, j'ai réussi à trouver à peu près bien. Là, bah, il fallait que je trouve le pont. Là, bon, on l'a vu. La Turquie, c'était vraiment difficile par contre, parce que j'ai vraiment aucun repère. Et pareil pour l'Australie, c'est vraiment du pur hasard. Quoi? 0 mètre? Littéralement 0 mètre. Il a trouvé pile au bon endroit, c'est lequel? 5,6, c'est le celui au New Brunswick. Il est vraiment pile dessus. Oh oui, putain, il est vraiment pile dessus. Le meilleur que j'ai fait c'était 0,2 mètres, c'est-à-dire 20 cm. Lui il a fait 0 cm. Ou alors c'était vraiment vraiment genre à quelques centimètres près, tellement, tellement petit que le jeu l'a considéré à zéro quoi. What the fuck quoi. Il a marqué ça quelque part d'ailleurs. Non, il a pas marqué, c'est bizarre ça. Ouais. Bon bah du coup ça sera tout pour cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre en commentaire au score si vous voulez faire le défi aussi. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo qui va arriver assez vite, puisque je vais faire derrière le. Alors, je sais pas si je vais le faire maintenant, peut-être. Je vais refaire le défi suivant de la semaine d'après. Je vais marquer ça que j'ai fait. Donc, du coup, on se retrouve très très vite. À la prochaine!